Salut à tous, bienvenue Ruth Pazner, bonjour. Alors merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la fille du Rav Razan, vous êtes en Israël depuis 35 ans, une alia idéologique, on ne peut pas faire mieux que ça, parce qu'elle sort des sentiers battus, ça c'est clair. C'est une histoire d'amour entre Israël et nous. Et c'était un choix et bien pesé, bien voulu et... C'est tout, depuis 35 ans, c'est beaucoup de temps. Alors, un choix idéologique bien pesé, ça, on ne peut pas dire autrement, puisque vous avez choisi d'arriver dans un moshav chitoufi. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un moshav chitoufi ? C'est une communauté qui vit de la terre, essentiellement du travail de la terre, et dans un système économique communautaire. C'est-à-dire que tous les... comme un kibbutz... Tous les revenus sont à partager entre les familles des habitants du village. Vous étiez nombreux à habiter là-bas ? Au début, nous étions 28. Nous avons eu la chance de participer à un moshav nouveau qui commençait son chemin. Donc, c'était extraordinaire. Alors, un moshav nouveau qui commençait son chemin dans le désert de la Beka, quelle était la ville la plus proche ? Bet-She'an. Bet-She'an, ok, donc il fait très chaud là-bas. Quand on vient de Paris avec des jeunes enfants, quand on a une vie complètement établie, votre mari était directeur financier, vous aviez un gars, enfin vous aviez une vie complètement différente. Un peu, c'est de la folie. D'ailleurs, même les gens du moshav... nous disait vous êtes tombé sur la tête. On a dit regardez le ciel bleu et puis venez à Paris, regardez ce qui se passe et vous comprendrez. Donc vous êtes devenu agriculteur en fait, vous avez travaillé la terre. Oui, et agriculteur, pas moi. Oui. Et bon, mon mari et mes enfants, parce que mes enfants, il y a un truc extraordinaire, c'est comme au kibbutz, les enfants aussi sont concernés, ils font des tours à nous, c'est-à-dire ils participent au travail après les heures d'école. Les enfants étaient... Vous avez quel âge, vos enfants ? Et le plus grand, quand on est monté, il avait 12 ans. OK. Et il a appris les autres jusqu'à 4 ans, comme ça. D'accord. J'en ai eu deux autres là-bas. Vous aviez 4 enfants, vous êtes monté avec 4 enfants et vous en avez eu deux autres sur place en Israël. Alors, quand on est comme vous, issu d'un milieu pratiquant, puisque vous êtes la fille du Rav Razan, pour ceux qui connaissent une personnalité émérite, on est obligé de le signaler, de parler de lui. Il était surpris de votre choix ? Surpris. Non, il a suivi notre parcours de loin comme un père aimant sait le faire, c'est-à-dire je suis présent mais je ne suis pas là, vous avez votre liberté, il nous a aidés quand il fallait et il connaît les gens qu'il fallait, donc ça ouvre des portes, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faisait votre... Mais le choix c'était le nôtre complètement. Il est en Israël à la même période que vous ? Non, il est monté bien avant, il est monté avec la grande alia de Strasbourg. Il a été tout de suite Rav Arashi de la police et Batei Sohar et Mishmar HaGvoul. Oui, il faut y préciser qu'à Strasbourg, c'était l'aumônier de l'armée. Général de l'armée, oui, française. Oui, bien sûr, bien sûr. Aucun rapport. Et donc, quand il est arrivé en Israël, on lui a ouvert les portes en grand. Exactement. On lui a ouvert les... OK. Il a des histoires d'amour. Il a eu des histoires d'amour aussi à Strasbourg. Bien sûr. Voilà. Et en Israël, ils sont venus, lui et ma mère. Ma mère qui est toujours là, qui a bientôt 95 ans et qui est magnifique. Admi Avesrim. Merci. Mon père n'était rien sans elle. Et malheureusement, il est parti. Et il a créé le Keren HaTshuva. Et grâce à lui. Les gens avec qui il a travaillé aussi, grâce à la matière qu'est la Torah, il s'est occupé de réinsertion sociale et économique de prisonniers. Oui, c'est-à-dire que ce Keren HaTshuva, qui existe toujours d'ailleurs, sert sa vocation, c'est de réinsérer des délinquants, des criminels, des meurtriers, des gens... C'est mon frère Joël qui a pris la suite,
du Keren HaTshuva. J'espère qu'on le recevra pour en parler. Alors vous, vous êtes dans un autre univers, au Moshav, ça dure quand même pas mal de temps tout ça. Mais comment vous êtes adapté? Et quand je dis c'est calculé, on ne savait pas vraiment vers quoi on allait. Il y a les scorpions, les serpents, le désert, la chaleur, 42, à l'ombre. Il y avait du masgan ou pas? Non. Et au début, il y avait, vous savez, les ventilateurs, ouais. Et puis on mouille le sol. C'était très sympa. Mais le fait qu'on ait changé totalement de vie, par choix, pour être dans un milieu israélien. Il n'y avait pas de francophone. Un milieu israélien, non. Un milieu israélien de qualité, qui travaillait la terre, des Bnei Torah, c'était la clita la meilleure. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas, mais en Israël, les agriculteurs, ça n'a rien à voir avec les paysans dont on peut avoir l'image en Europe, en France. Ce sont des hommes éduqués, érudits, cultivés. En général, c'est pas n'importe qui général, qui choisit de travailler. La plupart étaient, vous savez, on fonde un moshav à partir d'un garin, et c'est un garin torani. En général, c'est des gens qui ont étudié au Merkaz Arav, dans des yeshivot. Il y en a qui étaient rabbanim, des gens et les femmes, pareil. Moi-même, je me rappelle qu'au début, j'allais au cours des femmes du Shabbat, où chacune donnait à tour de rôle un cours sur la paracha. Et au bout de quelques mois, je me suis surprise en train d'accepter, moi aussi, en hébreu, de donner un cours. Ça devait être sûrement un hébreu un peu faible, pas très riche, mais à mon avis, ça m'a permis d'étudier et d'avancer davantage. Mmh. Donc c'était pour vous un moyen de s'intégrer en Israël? Un moyen pour nous tous, hein, pour mes enfants surtout, bien que c'est très difficile, il n'y avait pas salle clita, il n'y avait pas, je ne sais pas ce qu'on donne aux enfants aujourd'hui. Enfin, il n'y avait pas d'aide à l'école, il n'y avait pas... Non, mais c'est la meilleure moyen d'apprendre l'hébreu. Mm-hmm. À mon avis, c'est une clita difficile, mais à longue échéance, très efficace. Le côté communautaire était important aussi pour vous? Très. Le côté petit, communautaire, exact. Mmh, c'était vie juive et proche de la terre et proche de la nature, c'était magnifique. Alors pourquoi on quitte ce petit paradis un jour? Et on quitte parce que... Vous êtes resté 10 ans, on peut dire. C'est déjà pas mal. J'ai monté une activité économique autour du judaïka. Ouais. Et puis, c'est pas facile, on a besoin d'être indépendant, on n'a pas besoin que le kibboutz ou le moshav décide. C'est ça, parce vous, que c'est ça. C'est... Donc, c'était un peu la raison pour laquelle on a décidé. Et puis, nous, on aime bien dire, on tente une nouvelle... aventure. Voilà, exactement, le mot aventure, c'est vrai. C'était important. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le système communautaire, kibboutz, moshav, etc., on ne peut pas faire soi-même, avoir une propre initiative. Il faut que tout le monde valide quand il y a des enjeux exactement. Économiques. Il faut que les choix soient validés par la communauté dans son ensemble. Exactement. Parfois, ça prend du temps. Parfois, les gens ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Et puis, parfois, on n'a pas envie de raconter. J'ai un peu un tempérament d'artiste, alors donc... C'était pas facile, j'imagine, pour ça. Donc, vous êtes partie. Nous sommes partis. Vous n'êtes pas fâchée? Pas du tout. Au contraire, on continue d'aller là-bas. Les visiter. Exactement. Des bons souvenirs. Alors, vous avez atterri où ça après? Nous avons choisi Ofra, qui est près de Jérusalem. On voulait se rapprocher un petit peu de la famille. Et qui sont tous. Toute la famille est à Jérusalem, pardon. Et puis Ofra, c'est. Une autre qualité, pas qualita, mais qualité humaine. Alors, on a décidé de choisir Ofra à cause des personnes qui sont là-bas. C'était à cause des personnes ou c'était aussi un choix idéologique? Parce que mais vers la Kavat Efer, comme on dit, en dehors de la ligne verte, oui. dans les Yishuvim. Non, c'était pas un choix, parce que aussi, à Shadmot Erpanla, c'est dans la Bika, c'est aussi... Oui, oui. Au-delà de la ligne verte. C'est pour ça que je vous pose la question.
Et non, c'était pas pour ça. On voulait se rapprocher de Jérusalem. Moi, je voulais quelque chose de parvé, comme on dit, et quelque chose dans les montagnes de Jérusalem. Pas vraiment à Jérusalem, pour avoir le sentiment de monter à Jérusalem à chaque fois. Mais par hasard, on a entendu parler de Ofra. On est allé voir. Et puis, c'est un piège, parce que dès qu'on rencontre des gens et qu'on voit ce qui se passe, alors... Vous avez été séduit. On a été séduit. C'était ma mâche à l'époque. Pardon, ma mâche. À l'époque, on jetait des pierres sur les voitures. On jette toujours, mais on était obligé de passer par Ramallah. Et bien sûr, on tique toujours, hein, on hésite. Mais on a décidé quand même que ça fait partie de l'histoire, notre histoire. Que nous voulons faire partie de cette histoire aussi. D'accord, donc c'était aussi un choix sensé et pensé. Ce n'était pas seulement pour les belles personnes que vous y avez rencontrées. Alors, il y avait des francophones pour le coup là-bas ou pas ? Des francophones, pas vraiment. C'est des gens qui venaient d'origine ou qui savaient le français, mais qui étaient depuis longtemps en Israël. Ou nés, ou dont les parents parlaient français, mais pas beaucoup. Alors, vous peignez, vous êtes à fond dans votre... vous étiez à l'époque à fond dans votre business de Judaïka. Vous avez créé toute une sorte d'objet. Et puis, vous vous rendez compte à Ofra que vous n'êtes pas toute seule à être artiste, entre guillemets. Il y a d'autres artistes dans différents domaines, mais vous ne les connaissez pas. À tous. Exact. Alors, la différence du Moshav où tout le monde se connaît et la vie est ensemble, à Ofra, c'est chacun pour soi et bien qu'il y a beaucoup d'activités en commun. Il se trouve qu'il y a des artistes, il y a toujours des artistes et que le seul moyen de les connaître, c'est pas toc 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 et de rentrer chez eux et de demander qu'est-ce que vous faites. C'est d'exposer les œuvres. Et avec l'aide du Yishuv, de la Masqueroute, du secrétariat du Yishuv... Vous avez créé une galerie. J'ai créé une galerie. Avec vraiment, c'est la galerie du Yishuv, c'est pas la mienne. Mais bon, elle est née. Et au début, nous avions que les artistes d'Ofra. Et puis, peu à peu, de bouche à oreille, nous avons eu des artistes de beaucoup d'endroits en Israël. Et même de l'étranger. Alors, c'est une gageure, ce n'est pas évident. Surtout, vous l'avez créé en pleine intifada dans les années 2000. Aujourd'hui, vous avez entre 5 et 6 expositions par an. Alors, ça peut être de la peinture, de la vidéo, de la photo. Même des artistes ont exposé en fer forgé leurs travaux. Vous êtes très impliquée. On peut dire que c'est vous la curatrice de chaque exposition. C'est vous qui choisissez les artistes, qui mettez en place, etc. Ça a donné une autre image de la région, cette galerie d'art. Oui, parce que c'est pas seulement pour exposer. Vous savez, dans une galerie, chaque exposition a un concept. Et quand on crée un concept, y a un sens. À l'exposition. Et par exemple, on a organisé une exposition sur Gouche Katif après le Girouche et il y a eu des choses très fortes. Sur la carte de l'art en Israël, c'est très difficile de percer. Et on n'a pas tellement les amitiés des gens de la gauche, mais il est arrivé qu'on a été interviewé, qu'on était un petit peu dans les journaux. On parle de vous. Quand on fait un peu de bruit et que ça ne plaît pas, alors oui, on parle de nous. Maintenant, pour les artistes, c'est un début. Pour certains artistes, c'était la première fois qu'ils exposaient. J'ai la fierté de dire que certains ont percé aussi dans le monde de l'art. De l'art international. Et oui, international, non, mais en Israël. En Israël, pas. N'ont pas été au-delà des frontières. Je ne peux pas dire, non. Bon. Moi, j'ai été un petit peu au-delà des frontières. J'ai une exposition il n'y a pas longtemps à Berlin.
Mais bon, pas grand-chose. Ok. Alors, vous avez on va finir comme ça, parce que vous avez fait plein de choses, mais vous avez aussi beaucoup aidé la CLITA à OFRA, l'intégration. Déjà fini. Bah oui, on a presque mais fini. On commence, mais... parce que la CLITA, c'est un autre roman. Un autre roman. Vous avez aidé beaucoup d'Olim Pradashim, de nouveaux immigrants, notamment venus avec le programme de Shalom Var, l'Aliyah de groupe à OFRA. Vous avez fait tout un travail de soutien, d'accompagnement. C'était une période intéressante. Alors, vous qui avez voulu fuir les Français quand vous êtes arrivé aujourd'hui, vous êtes... Et de toute façon, tout ce que j'ai reçu, je voulais le donner. Alors, c'était pour moi tellement clair que c'était comme on dit en hébreu, shlichut. J'ai senti que c'était là-bas que je pouvais aider. Ouais. Et pour moi, c'était extraordinaire. D'abord, aider, c'est un mot très fort. C'est une raison de vivre. Mais surtout, rencontrer des âmes qui sont à la recherche et de quelles sont d'équilibre sens. Exactement et d'équilibre et surtout leur place dans la société israélienne. Voilà, c'était donc ça vous a comblé ce travail. Oui. Ok. Oui. Donc juste pour terminer, alors voilà, parce que maintenant c'est vraiment la fin de l'émission, on annonce très en avance, mais c'est pour informer, on ne sait jamais, on en reparlera je pense, et Khala Tarbout d'Ariel pour 2019, vous préparez une exposition pour le Yom HaZikaron, vous allez mettre des artistes en contact avec des familles ayant perdu des proches, soit dans les attentats, soit pendant les guerres d'Israël. Et, du Shomron. Voilà, du Shomron, ils vont ensemble créer des projets. Exactement. En fait, ce que je voudrais, le concept de cette exposition, c'est que du contact, de la relation qu'il y aura et entre la famille Shekula, comme on dit, et l'artiste, sort et une création inspirée totalement de ce contact. Ok. C'est l'intention de cette exposition. Maintenant, pourquoi on le fait ? Pour que les familles en deuil ressentent qu'elles sont soutenues par le peuple. Par le peuple, exactement. Mmh. Par le peuple et le peuple de l'art. Et le peuple de l'art, ok. Alors Ruth, c'est un plaisir de parler avec vous, de dérouler un peu le fil de votre alia. Bon, j'imagine qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures et des heures. Merci Cathy. C'était sympa de vous avoir. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. C'était Ruth Pasdar. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Qualita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.